Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi soir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Comme d'habitude, les résultats de la veille dans le quintet plus, tiercé dans le désordre, pas de 12, dommage, j'aurais pu donner un beau quintet désordre. Concernant les membres, les deux repérés sont là, le course par course tout en bas, plutôt correct. On lance tout de suite le quintet de jeudi soir, départ 20h15 bien évidemment. Le prix du petit pré, 1850 mètres grande piste, un terrain annoncé bon souple 3,3, 16 partants. Il y a eu 4 ou 5 quintets de 3 ans chez les galops depuis 2 mois. C'est le plus dur et c'est le plus faible en termes de valeur. Donc attention, je conseille des 2 sur 4 ou des multis dans ce genre de lot. Alors mon gagnant, faut bien en trouver un. Le numéro 8, Red Crazy, tout terrain, 6e pour son premier quintet plus, monté sagement par Stéphane Pasquier. Cette fois-ci, il sera associé à Christophe Soumillon. Il lui a mis deux petits coups de cravache dans la phase finale. Il a bien répondu. Je trouve qu'il a bien couru. Le lot, pour moi, était meilleur par rapport à la dernière fois. Cette fois-ci, il aura la corde numéro 15. Mais comme on arrive à démarrer les chevaux en sortant des stalles quand on veut, je pense que c'est un cheval qui peut s'imposer à l'issue d'un bon parcours. Deuxième base, le numéro 13, Gaylor Senora. Ça fait deux fois que c'est la note. Dernièrement, il fait quatrième d'Everello. Everello qui est deuxième de quintet plus. Donc ça reste une ligne gagnante. L'entraînement Cyrulis qui est en forme, corde numéro 13 aussi, mais Aurélien Lemaître pour moi qui est un excellent jockey, c'est un cheval qui peut jouer le podium. Premier outsider, le numéro 2, Sunfast, 6 sur 6 en course, il va à droite, il va à gauche, allant de 1800 mètres à 2400 mètres, le terrain, il n'y aura pas de problème, ligne Cooper et Nikovo, Nikovo qui est en 41 de valeur, on lui remet les œillères, comme la dernière fois, un artifice qui a bien marché, Mendizabal qui est dessus, feu. Deuxième outsider, le 15, Luman, galopeur régulier, a plus couru sur le sable, c'est deux courses sur l'herbe, c'est troisième d'un handicap à Paris-Longchamp et cinquième d'un quintet plus sur l'hippodrome du Putois, en ayant une course à sa mesure. C'est un cheval qui peut terminer dans le multi. En cinquième position, le numéro 10, Dobra, réclamé par Augustin Normand. Premier quintet plus, premier handicap en 34,5 de valeur. L'habilité de l'entraîneur, faut faire attention d'entrée de jeu. Je pense qu'on cherche tout de suite un retour sur investissement. Corde numéro 16, mais à 2 ans, c'est un cheval qui a fait jeu égal avec Zagreb. Zagreb qui vient de gagner classe 1 Elisted cette saison. Donc je me dis que si ça se retrouve, pourquoi pas. En 6ème position, le numéro 5, Ultrasound. 4ème ici même face à des chevaux en 46, 42 et 39 de valeur. Il mérite d'être tout simplement dans une sélection sur ce qu'il vient de faire pour son premier quintet et son premier handicap. 7ème position, le numéro 7, Birdout. 10ème pour son premier quintet plus au Val d'Or, bien couru dans un lot supérieur, à craquer dans les 50 ou 80 derniers mètres. Ce sera mieux sur une distance de 1850 mètres. Je reprends sans problème. Et je termine avec le numéro 9, Swift Spirit. Trois courses en province, va sûrement manquer d'expérience, une victoire sur le programme de Craon, la forme de la jument, on met Barcelona dessus. Voilà, je me dis qu'avec un bon parcours et la science du jockey, pourquoi pas terminer dans l'argent ou mieux. Voilà, nous c'est terminé pour ce quintet là. On se dit à demain pour le premier quintet plus de la saison estivale sur le programme de Cabourg. Cabourg mon amour, passez une bonne fin de semaine et merci à tous. Ciao!